Capucine et Méline, voilà, un petit morceau pour vous, pour faire du piano, pour vous entraîner à faire du piano. Donc j'espère que ça va bien marcher, que vous allez bien comprendre. Donc je vous ai fait un petit morceau. On va commencer par écouter le morceau. Donc vous écoutez tout le morceau en entier et après je détaille les parties, je vous montre chacune des parties et à la fin je vous fais une petite surprise parce que je vais jouer de la guitare dessus et de la basse. Et vous me verrez que la basse et la guitare. Et le piano, du coup. Voilà, j'espère que ce format va bien marcher. Vous avez normalement sur l'email reçu un fichier, les fichiers audio et la partition du morceau. Voilà. Donc c'est parti, on écoute le morceau, ce que ça donne, et après on le regarde en détail. A tout de suite. Donc on va voir les passages au ralenti, on va prendre le temps de les voir, hein, chacun leur tour. Chaque passage y aura droit. Donc au tout début du morceau, ça commence avec le mi et le sol. Et ça va faire mi sol mi. Na, na, na. Faut un peu s'entraîner à le faire un peu rapidement. La, la, la. N'oubliez pas, vous avez la petite partition aussi qui était avec l'email, ok? Donc ça, on le fait une fois. Facile. Ok? Ensuite, hop, on se décale et on va en sol. Et on fait sol, si, sol. Et ça, c'est beau. Voilà. C'est pour ça qu'on le fait, sinon on ne l'aurait pas fait. Donc, ça, c'est le deuxième petit thème. Donc on recommence les deux. Ok. Le deuxième. Très bien. Ensuite, on a un petit passage, donc on va prendre à partir du majeur. Hein, c'est celui-là qui commence, le majeur. On va faire sol, fa dièse, mi, fa dièse. Na, 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 na. Et ça, on s'entraîne à le faire, hein, pour que ça soit après rapide. Voilà, parce que c'est beau, un peu plus rapide, quoi. Voilà, faut s'entraîner un petit peu, hein. Alors, faut pas être feignant, hein. Feignante. Voilà. Ok, si vous avez mangé trop de crêpes, eh ben ça vous fera un peu d'exercice. Ok? Ensuite, le petit passage d'après. Donc, on va prendre le sol et le si en même temps. On passe avec le la, avec l'index. Donc, ça fait. Ensuite, on reste avec le la et on vient prendre avec le pouce le fa dièse. Voilà ce qu'il va faire. Ok. Encore une fois. Très bien. Donc ça fait 4 et. Ok. Ensuite, on refait le même passage. Et là, ça change. Donc on reste sur le sol. On prend le mi. Et on va faire donc les deux notes en même temps. Le la. Et ensuite, on fait le ré et le fa dièse. Voilà. Donc le deuxième, hein. Voilà. Donc on refait, ça fait. Hop, on garde son doigt sur le sol. Ok, donc voilà, ça vous pouvez vous le remettre, c'est le couplet. Ensuite, il y a le refrain. Le refrain, on est sur do et mi. Donc ça va faire en croche. Vous l'avez sur la partition également, donc prenez votre petite partition avec vous si vous l'avez imprimée. 1 et 2 et 3 et 4 et on change, on va en si et ré. 1 et 2 et 3 et 4.
4 et on recommence encore une fois. 1 et 2 et 3 et 4 et on redescend. 1 et 2 et 3 et 4 et. Et là, il y a un petit subterfuge. C'est qu'on fait une bascule et on monte sur le mi et le sol. Au milieu du refrain, en plein milieu. Voilà, pour pas répéter deux fois, pour pas répéter la même chose. Et donc là, pareil. 1 et 2 et 3 et 4. Et ensuite, on descend. Ré, fa dièse. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2, 3 et 4. Et là, on arrive à la fin du refrain du premier. Ouh ! On va faire fa dièse et la. Et on reste un petit peu posé, mais pas trop, parce qu'après, on reprend le deuxième couplet. Ok, donc je vais faire lentement. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et encore 4 et voilà. Et on repart sur le refrain. On change mi et sol, ré fa dièse, encore, et là le refrain on le fait encore une fois, hein, parce qu'on n'est pas voilà, à la fin je fais le solo, c'est là où je joue avec vous, on recommence. Vous êtes super forte. J'espère que ça a bien marché pour vous. Voilà, vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire que vous avez super bien réussi. Voilà, je serai content de l'entendre. Et ben, je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère que vous avez bien compris ce petit passage, ce petit morceau de piano. Vous avez le fichier avec l'audio, donc je vous ai enlevé le piano. Sur un des fichiers, vous avez sans le piano et sur l'autre fichier, vous avez tout le monde. Comme ça, vous pouvez vous entraîner à faire les deux. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère vous revoir bientôt. En attendant, je vous fais un petit bisou de loin. À la prochaine. Ciao !